Hello les amis, c'est Guylian, on se retrouve pour la suite de la map Dragon Ball Collecton. Donc on va continuer à chercher nos petits Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, c'est le nom de la série, on va pas dire n'importe quoi non plus. Il y a un petit squelette par ici, donc du coup la dernière fois on en avait récupéré 3, par contre il y a un creeper derrière moi, on va éviter d'y aller. Donc on en avait récupéré 3, on avait sauvé Gohan, donc il nous a donné une petite Dragon Ball. Donc Gohan qui a des Dragon Ball, il dit comme ça. Est-ce qu'il y en a une par là où non, à mon avis, non, c'est juste du décor. C'est sûrement juste du décor. Hop. Oh, mais je me fais envahir. Oh là là, je me fais envahir. Il y a une petite capsule. Capsule corps, le retour, peut-être. Ça s'expliquerait d'où vient Vegeta. Alors, find all Dragon Ball and become immortal. Récupère toutes les Dragon Ball et devient immortel. Donc ça, c'est sûrement le but de sa mission. Sûrement le but de la mission de Vegeta. Donc on a 4 Dragon Ball, il nous en manque plus beaucoup. À mon avis, il doit sûrement en avoir une là-haut. Est-ce que... Oh, là, il doit... Bonjour. Bonjour, enchanté. Bah. Hop. Allez, on tue tout. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais... Hop. Voilà. C'est bon. Ouf. J'en pouvais plus, là. Est-ce qu'il cuise encore des... Non, il cuise pas des Dragon Ball. Je suis déçu. On va fermer tout ça avec la petite boîte aux lettres toute mignonne, là. On va sûrement aller là-haut. Non, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Hop. On va monter tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Une Dragon Ball s'est perdue par tout hasard? Ah, il y a encore une capsule. Ok, il y a une Pokéball. Ça, c'est à force de tourner Roblox, les gars. Ah, allez, hop. Ouf. Ouais, beaucoup trop fort là, on a trouvé la première Dragon Ball. Voilà, c'est encore un truc de Vegeta. Donc Vegeta qui doit tuer tous les humains. Et t'es méchant. Tu sais que t'es méchant, Vegeta. Genre, à un moment, faut que tu arrêtes. Tu es franchement méchant. On se le dise entre nous. On se le dise, clairement. Hop. Allez, on va passer à la suite. On en a que 5. Il nous en manque plus que 2 du coup. Là, il y a un petit chemin. C'est bientôt mignon par là-bas. Bonjour. On voit la suite du dragon. Déjà, j'ai vu une Dragon Ball. On a la suite des Dragon Ball. On a la 6ème, la 2ème, la 4ème, la 5ème et la 1ère. Donc, du coup, il nous en reste plus énormément. On va récupérer celle de là-bas qui est la. What? Elle a pas de. Ah, si, c'est la 3ème. Donc, du coup, il nous manque plus. Il nous en manque plus qu'une en tout cas. Ah là, excusez-moi. Hop, il nous manque plus que la 6ème, je crois. Non, la 6ème, on l'a. Arrêtez-vous. Donc là, c'est l'île. Il y a l'île d'entraînement. On va récupérer la dernière Dragon Ball. Qui est, du coup, la 7ème. La 7ème Dragon Ball. On va retourner voir Vegeta en espérant qu'il nous tue pas. Ce petit salopio, là. Oh, ils auraient pu en mettre une là-haut. Ça aurait pu être vraiment cool d'en récupérer une là-haut. En tout cas, voilà. Écoutez, en plus, tout à l'heure, je suis mort une fois, hein, les gars. Donc, juste pour vous dire, voilà, je tourne l'épisode à la suite. Tout à l'heure, au début de la vidéo, sans faire exprès, je tombe dans le vide. Ça me fait une mort dans le Death Counter. On rapporte tout ça à Vegeta. Tiens, Vegeta. Ok, le mec est plutôt méchant. Alors, Vegeta, est-ce que tu pensais vraiment que j'allais te laisser vivre? Mon dieu, rire totalement diabolique, hein, mon rire incroyable. Et donc du coup on retrouve Piccolo qui me dit, toi Saiyan, tu dois faire ton entraînement. Donc je sens une présence vraiment très dark, donc vraiment très noire qui est en train d'arriver très proche de nous. Et j'ai besoin de toi pour que tu nous trouves 8 haricots Senzu. Le plus rapidement possible. Camille and Popo must of be on va faire le tour. Ah, nice, il y en a une là. Donc du coup Senzu Beans, ouais, c'est bien ça, c'est bien un haricot en fait. C'est bien un petit haricot, là il y en a pas. On va passer par là. Alors bonjour, enchanté. Enchanté. Là il y a quelque chose. Ok, donc là qu'est-ce que... Oh, what the fuck. Je crois qu'on a l'évitation. Aïe, par contre, j'ai très mal. Je crois qu'on a l'évitation qu'on saute sur les slime bugs. Donc, du coup, ça doit faire comme ça. Oh, ouais, nice. Oh, c'est bien fait. Comme si on volait, en fait. Comme si on volait en étant un super saiyan. C'est cool. Allez, hop. On récupère la 2ème. Donc, il nous en manque
m'occupe énormément. Et là, je vais mourir comme un gros caca. Voilà, allez, Super Saiyan QI. Allez, hop, bonjour. Hop, on va remonter tout ça. Hop, je pensais que j'allais toucher. Hop, voilà, on remonte tout ça tranquillement. Hop, voilà. Hop, alors, déjà, il y en a une là-haut. Il y en a une là-haut. Il y en a encore une autre là-haut. Donc déjà, on en a deux en vue. Est-ce qu'il y en aurait une dans les petits bassins? Non. Ah, bon, oh, ça, c'est la cloque. Bon, ça, c'est obligé qu'il y avait un truc en bas. Oh, mec, t'es sérieux, là? Oh, ça, c'est tellement un truc de fourbe. Oh, c'est tellement un truc de... C'est tellement... What? K... Oh, K... Mais... Ah... Mais... Ah, voilà. Voilà. Et les gars, qu'est-ce que vous voulez, votre youtubeur préféré? Et écoutez, il arrive à faire des kamehameha. Vous avez quoi à dire là? Vous avez quoi? Eh, entre nous, c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur en ce moment? Le mec a un petit talent, tu vois, il fait des kamehameha. Entre nous, c'est plutôt sympathique. Hop, qu'est-ce qu'il y a là? Donc là, c'est le mur qu'on a cassé. Hop, il doit sûrement en avoir... Ouais, voilà, c'était obligé, il y en avait une cachée là. On va la récupérer, on va sauter. Oh là, oups. On va sauter dans le vide. Hop, ah, on va s'attraper. Et on remonte tout ça. On remonte. Ou sinon, on se laisse tomber. Oh non, on va remonter quand même. On va éviter de mourir une fois de plus pour rien. Hop, ça se referme ou pas? Ah non, c'est juste activable qu'une fois. Ok, donc c'est activable qu'une fois tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Donc c'est les dortoirs, il n'y a rien en haut. Oh là là. Regardez les fourbes, mon dieu. Allez, on en a 5, il nous en manque plus que 2 du coup, on sait où elles sont. Hop, on remonte tout ça. Est-ce qu'il y en a une? Regardez où il est cache. Mais mon dieu, si on sait pas, genre... Heureusement que j'arrive à voir où elles sont, mais là-haut, il y en a une là-haut. Voilà, si vous savez vraiment pas où elles sont, genre c'est chaud. En tout cas, franchement, j'ai eu de la chance de la trouver. Il faut être observateur de ouf. Hop, on va monter par là. En tout cas, j'espère que vous aimez bien que je sois un magnifique Super Saiyan. Est-ce qu'il y en aurait une peut-être là? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc du coup, on va passer là, on va récupérer celle d'ici. Donc, on avait vu celle de là-bas. On va la récupérer. Est-ce qu'on peut la récupérer? Voilà, on la récupère. Donc, il nous en manque plus qu'une. Il nous en manque plus qu'une. Et où est-elle? Elle était tout en haut. Donc, pour aller tout en haut, il doit sûrement avoir un truc derrière. On va longer le mur, le petit muret comme ça. Hop, voilà. Il doit sûrement peut-être avoir un truc pour monter, je sais pas. Là, il faut faire du jump un peu. Ok. Ok, donc déjà, il y a rien derrière la map. Ça m'étonne qu'il y a un petit chemin comme ça, en fait. Hein. Et on va voir ce qui va se passer. On va tout ramener à Piccolo, à mon avis. Ça serait bien que la terre n'explose pas. Voilà, donc on récupère tout ça. Eh bien, un petit 3-6. Oh, allez. Voilà, tranquillou, ça, entre Saiyan, on le fait souvent. Hein. Hop. Alors, Piccolo, tiens. Ok, Vegeta, je suis arrivé, laisse-moi te montrer mon vrai Kamehameha avec un pouvoir au-dessus de 9000. Non, mais non, arrête. Non, ah oui, ok, c'est des TNT, c'est pas un Kamehameha. En plus, il est en train de me faire laguer, les gars, mais je suis à combien d'FPS? Je suis à 2 FPS, mon dieu. Oh là là, en tout cas, voilà, on a fini la map apparemment. Voilà, donc on a fini la map. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Oh les gars, j'attends que ça soit fini et après c'est bon. Hein. Parce que là, on fait la fin de la vidéo après. Là. Bon, les gars, il a tout cassé. Mais en attendant, il y a toujours Piccolo qui est toujours vivant là-bas. Hein, regardez-le. Et donc du coup... Ah non, ah, il a toujours pas... Il a pas attaqué. Donc là, appelez Vegeta pour casser la maison de Goku. Non, bon, juste pour vous voir. Ça c'est juste... Oh là là! C'est juste pour vous profiter! Profitez du lag et de l'explosion! Oh là là! On va essayer de se pousser de tout ça! Hop! Donc il a toujours pas cassé la maison de l'île de Goku! Ah, quoique c'est peut-être... Ah si, en fait c'est... Ah, en fait elle était complètement remplie de TNT! C'est bien fait! En tout cas voilà! J'espère que vous avez aimé ma performance en tant que Super Saiyan sur cette map. Donc n'oubliez pas le nom qui s'appelle Dragon Ball Z Coléacton. Donc une map créée par Mité.
Et vous pourrez retrouver donc bien sûr le lien de téléchargement de la map dans la description, sa chaîne YouTube. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'était Guylaine, le Super Saiyan. Allez, bye tout le monde.